encore pas trop bling bling et on vient pas trop chez Marcel pour se montrer. On vient tous pour se rappeler à nos bons souvenirs. Marcel, c'est mon parrain de cœur. Vous savez, quelque part, on fait le même métier, hein, les forains. Et les comédiens, tout ça, c'est un métier de saltimbanque. Et puis j'ai une grande, grande affection pour Marcel, voilà. Donc, quand il organise quelque chose, j'essaie d'y être dans la mesure du possible, parce que c'est toujours... ouais, c'est un ami qui nous invite. Quelqu'un qui passe sa vie à fabriquer des manèges, tant mieux s'il en tire profit, parce que faire rêver des enfants toute sa vie, c'est quand même pas mal. Donc voilà, et moi je fais partie de ceux-là, ceux qui ont rêvé devant les manèges. La belle vie. Marcel, c'est... comment... Pour résumer, je pourrais juste vous dire, quand Marcel vous téléphone en disant « j'ai une idée », c'est que c'est un problème. Et quand tu vois Marcel courir, cours. Une soirée avec des gens qu'on aime, on se connaît tous depuis une trentaine d'années, voilà. Et les nouveaux qui arrivent, etc. Et ben voilà, c'est... Pas la place. Un mec comme Marcel Campion, c'est le niveau d'Eddie Barclay de l'époque, il fait des belles soirées. C'est très compliqué d'organiser des soirées à Paris comme à Saint-Tropez d'ailleurs. Il faut avoir d'abord un relationnel suffisant, il faut savoir réunir les gens, les attabler, etc. C'est un boulot, je suis ravi. Il y avait effectivement Eddie Barclay, il y a maintenant Marcel Campion. Voilà, c'est un savoir-faire ça. Et c'est génial qu'il y ait encore des mécènes. Parce qu'au cas où les autres ne le savent pas, tout est gratos ce soir. C'est quand même c'est Marcel qui casque, hein. Donc c'est quand même grave de faire ça, c'est adorable. Voilà, donc la moindre des choses, c'est de répondre présent quand ils vous invitent. Vive la fête! C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Écoutez, il y a une chose qu'on regrette tous, c'est la grande roue. C'est très triste les Champs-Élysées sans la grande roue. Il est temps qu'on la remette, et vite. S'il y a une parole qui peut te donner la vie, cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est la direction pour entrer dans le ciel. Alors là, vous avez écouté des chants plus ou moins religieux, on a dit gospel, ben voilà, mes enfants sont dans cette ambiance, et ben tant mieux pour eux, ça leur plaît. Et il va nous faire un petit swing, Chris, qui est mon fils, vous allez voir, c'est un artiste avec son copain là. Et ensuite, on va faire venir les autres artistes, et vous allez voir, la soirée va commencer, vous vous mettrez à table. Là, pour l'instant, c'est un beau petit swing, on peut nous faire un petit truc de Django, un truc comme ça là. Allez, allez rouler. Chaque année, on monte en puissance. Mais là, je pense que ça va être une des meilleures. Sinon la meilleure, on peut le dire. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Bouillabaisse. La soirée de Marcel Campion qui va exister grâce à vous. Belle soirée de Saint-Tropez. Pour tout vous dire, Richie, c'est le meilleur sosie de Johnny. Bah, il est pas mort. On a un grand copain à nous qui est,
qui s'appelle Bébé, qui est venu d'assez loin. C'est son anniversaire ce soir. Merci Marcel. Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou bateau, je tue celui qui fait un pain. Non, je ne ferai pas de cadeau, non. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Allez, chante, chante. Allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les pieurs. Allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Les Parisiens et les habitants d'Île-de-France, mais aussi les touristes, veulent que la Grande Roue revienne, parce que c'est extrêmement beau. En soi, la Grande Roue, place de la Concorde, fait partie des monuments de Paris, pour moi. C'est un peu, d'ailleurs, il n'y a plus une grande capitale qui n'a pas une Grande Roue à l'année. Qu'on attend et on attend à travers toute l'année que le téléphone sonne pour qu'on ait quelques soirées comme ça où des vrais musiciens, des vrais artistes qui jouent live, qui ont appris, qui ont quelque chose à exprimer, qui peuvent le dire et qu'on trouve un public qui nous écoute. La surprise commence. Regardez un peu la scène. Laissez parler les petits papiers à l'occasion, papier chiffre. Et si un soir, papier buvard vous consolez, laissez brûler les petits papiers. Papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, des moitiés. Laissez brûler le petit papier. Marcel Campion, c'est un grand dame, très sensible. C'est un monsieur du cœur qui c'est un artiste. Pour moi, c'est un artiste. Son amitié, sa fidélité. Son endurance, c'est très important. C'est surtout quelqu'un d'extrêmement compétent.
Attention, c'est ma fille. Quand on passe tout en hiver, il t'a raté où elle est longue. Con el color de tu pelo, color de la amapola. No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa. Porque tiene buenas acciones y tú a mí me di loca. ¡Ay, ay, ay! Yo canto pa' esta vida. ¡Ay, ay, ay! Tú sola eres mi vida. ¡Ay, ay, ay! Cantando de noche y día, fandanguillo sillería y besé por bulería. ¡Ay, oh, 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 oh! ¡Ay! Pour tout vous dire, hein, il y en a beaucoup qui me souhaitent mon anniversaire. Je suis né au mois de février, donc c'est pas une fête d'anniversaire. C'est juste une fête pour la fête. Petite histoire, on a eu des petits soucis avec la municipalité de Paris. Ils n'ont plus voulu du marché de Noël, ils n'ont plus voulu de la grande roue. Donc au lieu de faire peur à tout le monde, moi j'ai voulu rassembler les gens et j'ai créé une chanson qui s'appelle « Un pour tous, tous pour un ». J'ai fait l'Olympia il y a 2 mois. Un gros challenge parce qu'en 15 jours, remplir l'Olympia le vendredi 13, personne ne voulait de la date bien sûr, hein, donc je l'ai pris, The. Et en 15 jours, on a rempli 1200 places sur 1500. On a marqué campion, campion, campion sur tous les travaux. Pendant qu'on voulait plus de campion, on voulait plus de grande roue, on voulait plus de marché de Noël. Et ben moi, j'ai mis campion en haut de l'affiche de l'Olympia. C'est lui qui est le plus beau marché de Noël de France, voire d'Europe, avec des produits, quoi qu'on dise, certains de qualité. Alors qu'au début, il y avait 200 000 personnes, il y en a quand même eu 14 millions dans sa dernière édition. Donc on ne peut pas tromper 14 millions de personnes. Ce qu'a fait le maire de Paris, c'est pas bien. C'est tout. One for the money, two for the show. I'm free to get a ribbon, I go, can't call the door. Step on my blue Saint shoes. Well, you can do the thing, hold the Bible do Saint shoes. To knock me down, a stain in my face, a slant in my nail on all over the place. I do the thing and that's what I'm do. But I'm more than my shoe to do. Step on my blue say shoe. Wap to wap, wap to wap. Well, you can do the thing. Roll my blue say shoe. Right, yeah. Do do, blue say shoes. I do do, blue say shoes. I do do, blue say shoes. I do do, blue say shoes. Well, you can do the thing. C'est la guitare manouche que Django Reinhardt a développée. Et il faut savoir que dans le monde entier, il y a des écoles Django en Chine, au Japon, aux États-Unis, partout. Un autodidacte, un Romain Michel, son image a fait le tour du monde. Et eux, c'est les meilleurs de sa troupe.
Alors, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Ma fille vous a parlé d'un marché de Noël à Paris. Vous avez vu qu'on a eu des désagréments. Je vous indique que l'année là, qui arrive, vous aurez dans Paris, au centre de Paris, le plus beau marché de Noël du monde. Organisé. Magie de Noël. Et il va s'appeler la magie de Noël. C'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens et surtout, mais également les forains. Même si je pense que sur le bas des Champs-Élysées, sa place est encore plus, plus logique puisque c'est là qu'il a été créé, c'est là qu'il, qu'il a rencontré ses premiers succès. Et donc j'espère très vite qu'il reviendra sur les Champs-Élysées l'année prochaine. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Moi, je remercie M. Akram. Merci. Qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Et franchement, vous avez vu, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir, c'est encore un peu spécial. Parce que moi, j'ai des souvenirs formidables avec eux. Ici, à Saint-Tropez. Cet hiver, pour le show de l'an. Au Ritz. Parce qu'on est forain, on était au Ritz. On s'est fait cambrioler deux jours après. On était en opération. C'est socialiste. Mais voilà, écoutez cela et vous allez nous en parler tout à l'heure. C'est un event familier et avec beaucoup de corps. Et c'est évident, c'est différent, c'est pas une chose de chichi, comme on dit. C'est une chose vraie. Et nous, moi je suis italien, je suis de Venise, et nous on aime vraiment les choses vraies. Et ce soir, elle était magnifique. Félix, il est avec nous ce soir, et ça aurait été bête parce que quand même Félix Gray a fait des très belles chansons que vous avez tous écoutées. Il a fait des opéras. Il n'a pas pu les jouer en France, il les a joués au Canada, il va même le faire. Et Félix, il va vous faire un truc terrible. Écoute ça, Marcel. J'improvise, hein. Je ne sais pas ce que je vais faire. Sous le pluie, le vent, la neige. Laissez tourner les matiches. Si tu veux que je sois là, moi je serai là pour toi, Marcel. Marcel. Dans tes yeux y a des étincelles, Marcel. T'es toujours là quand on t'appelle l'ami fidèle. Les
sait tourner les manèges. Sous le pluie, les vents, la neige. Laissez-nous nous amuser. Encore un peu, s'il vous plaît. Oh, Marcel, Marcel. Dans tes yeux, y'a des étincelles. Marcel, oh, Marcel, oh, Marcel. T'es toujours là quand on t'appelle. Marcel, Marcel. C'est juste une improvisation. Ça m'a fait plaisir d'être là. Franchement, je t'ai écouté et je suis un petit peu... je suis surpris parce que Marcel, faut arrêter. Hein. Moi, je suis un guignol là-dedans, je suis un forain, je fais des tours de manège et ça s'arrête là. Je ne veux de personne, Ronald Davidson. Je ne veux de plus personne, Ronald Davidson. Je roule à 100 à l'heure au guidon de ma machine. J'ai la chance de venir chaque année depuis un certain temps et je suis ravi. Vous avez connu Marcel dans quelles circonstances ? Alors, je l'ai connu avec des amis, à un déjeuner, et c'est la guitare qui nous a réunis. Parce que je jouais un peu de guitare, pas aussi bien que lui, mais quand il a appris que j'avais joué de la guitare, il m'a tout de suite invité en me disant « Viens avec ta guitare, on va jouer un peu ». Alors, j'improvise. Du matin, on va manger un peu de vin de tous les sexes dans un quelconque bar tabaïla. On s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour. Enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. Merci Jean-Roch, merci monsieur. A bientôt, merci Sylvie. Bravo. You give me love. Maintenant, on boit un coup, hein. Allez, ciao.